Bonsoir, chers auditeurs. Vous, c'est Loisy Kinshasa, le coordonnateur de la coalition Patrice Lumumba. Vous êtes bien sur Congo Synthèse. Donc, ça fait au moins 3 semaines qu'on n'a pas pu faire nos émissions. Donc là, pour des raisons qui étaient donc au-delà de notre contrôle. Bon, là maintenant, nous sommes de retour. Alors aujourd'hui, nous allons discuter du cobalt congolais dans l'économie mondiale. Le cobalt, donc du Congo, dans l'économie mondiale. Et c'est un sujet important. L'économie, c'est un sujet fondamental qui décide de tout. Parce que souvent, nous avons tendance à séparer la politique et l'économie. Il y a ceux qui disent qu'ils sont dans les sociales. D'autres, ils sont dans la charité, d'autres disent ils sont que dans les affaires, dans le business. Il y a d'autres qui détestent la politique. Il n'y a pas de mur entre l'économie et la politique. Il n'y a pas de mur entre l'économie et le social. Il n'y a pas de mur. La politique, c'est juste une concentration d'intérêts économiques. Et le vrai rôle donc des politiciens du gouvernement, c'est gérer l'économie. Donc, ne pas s'occuper de la politique, c'est abandonner donc sa responsabilité, parce que la politique, comme j'ai dit, c'est juste une concentration d'intérêts économiques. Donc, nous devons nous occuper de l'économie. Tout part de l'économie. Cette émission, donc, on va la faire en Fangala, donc on va mélanger le français et le Lingala. Donc, programme auto, salamo, sur l'économie, le cobalt, il y a Congo, dans le cadre de l'économie mondiale, et ça est important, il y a l'économie, différence mûre et saté entre l'économie et la politique. Si vous avez vu qu'il y a une politique, il va comprendre le baloubaka. C'est pas vrai du tout. Vous avez ça, sango, vous avez ça, gamakisi, vous avez ça, footballeur, musicien, chômeur, président, vous avez tout, vous avez tout. Dans le cas de l'économie. Parce que l'économie, on est déterminé à m'en surtout qu'on y a, qu'on vende, qu'on en a, qu'on a des classes, tout. Et c'est la transaction financière, tout. Donc, production économique est absolument donc fondamentale. Et ça, pour le départ, il y a m'en surtout. Donc, au Tigaté, on a avec ceux qui sont différents ces années. Alors, ce que nous allons faire, c'est nous allons discuter donc, du cobalt du Congo dans l'économie mondiale, dans le contexte international. C'est absolument important de discuter, d'étudier nos problèmes, de considérer nos problèmes dans les contextes internationaux. Autrement, on va faire les mêmes erreurs que nous avons faites dans les années 60. C'est-à-dire, pendant l'acquisition, l'accession à l'indépendance du Congo, et qu'on les n'avait pas analyser les contextes internationaux. C'est-à-dire qu'on avait affaire aux Belges, mais en réalité, on avait affaire aux Américains. Les Américains, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, étaient. Enfin, ce n'est pas même pas une Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre entre les impérialistes, entre les bandits. Depuis la fin de cette guerre-là, les États-Unis étaient devenus le premier leader du monde occidental, du monde du pouvoir blanc, vous voyez. Et que l'Union soviétique est devenue le concurrent direct des États-Unis. Il y a eu aussi la création de Nations Unies. Donc, et tous ces éléments ont défini les contextes internationaux. Alors maintenant, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, c'est quoi les contextes internationaux? Nous avons affaire à un impérialisme essoufflé. Il suffit de regarder aux États-Unis. Les États-Unis, c'est plus la puissance qu'elle était donc. Avant, donc on a Trump qui est au pouvoir, alors que Trump n'a même pas gagné la majorité donc, des voix dans ces élections. C'est parce que les Américains ont le système de collège de voix. La façon qu'ils comptent donc les voix a permis à Trump de devenir président. Mais il n'a pas gagné le vote populaire, et ça c'est important. Et en plus, nous avons. Il n'a même pas été sélectionné par son parti comme pour être candidat. Il s'est imposé face à son parti politique. Et nous avons aussi une situation où, dans la plupart donc, des pays occidentaux,
nous avons ce que les Occidentaux caractérisent comme un vote populiste. Et le vote populiste, c'est juste un vote qui s'exprime par le rejet des partis traditionnels en faveur donc des partis comme le Front National, comme le Parti Alternatif, le Parti pour l'Alternative en Allemagne, comme le Mouvement 5 étoiles en Italie. Ce sont des partis qui représentent la demande de la population européenne qui est frustrée, qui pense que le parti traditionnel ne font pas assez pour résoudre les problèmes de blancs. Et certains d'entre eux pensent que leur gouvernement donne trop aux immigrés, ce qui est faux, bien sûr. Mais ces partis-là, ils préfèrent une politique différente. Mais la base de ces partis et la base des partis traditionnels reste la même. C'est la domination de l'Afrique et des autres pays colonisés. Vous voyez, donc c'est un appel pour approfondir la colonisation, la domination des peuples non blancs. Donc c'est un peu ça qui est à la base. Et ça, c'est un contexte que nous, les Africains, nous, les Congolais, nous ne devons pas donc ignorer. Donc c'est un monde hors de contrôle, dans le sens qu'il y a la montée de la Chine, il y a la montée de l'Inde, il y a la montée de l'Iran, il y a la résistance aux Américains en Afghanistan. Ça fait 20 ans, les Américains n'arrivent pas à gagner. Pareil en Irak, en Syrie, etc. Il y a aussi la détermination du peuple de la Corée du Nord qui refuse à s'agenouiller face aux Américains, qui tient à maintenir son indépendance. Et tous ces phénomènes-là, il faut le prendre donc en considération quand on parle de la situation au Congo. Donc nous avons un monde où on parle ouvertement de la concurrence commerciale, de la guerre commerciale qui peut éclater à tout moment entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis et la Chine. Il y a la guerre monétaire, les États-Unis qui essaient de dévaluer la monnaie américaine pour mieux exporter ses produits. Et ceci va sûrement demander une réplique de la part des autres puissances impérialistes. Donc c'est un monde hors de contrôle, dont les États-Unis ne contrôlent pas ce monde comme par le passé. Il y a la Russie qui exige la fin de ce que le russe caractérise comme le monde unipolaire. Donc, nous sommes dans ce monde-là où tout est à faire, tout est à prendre. Ceux qui sont organisés peuvent donc faire avancer leurs intérêts, et ceux qui ne le sont pas vont subir donc les initiatives et les attaques des autres. C'est dans ces contextes-là que la crise existe au Congo. Nous avons une crise où le Congo a été choisi ou poussé à être un pays qui doit fournir les matières premières nécessaires pour le développement, pour l'enrichissement des pays capitalistes, des pays impérialistes. Et ça, c'est absolument donc essentiel pour les Congolais qui regardent ces programmes. C'est-à-dire que le Congo est dans une crise permanente et ceci pousse les Congolais à réagir face à cette crise-là sans pourtant tenir compte des sources de cette crise. C'est-à-dire que les Congolais répondent aux symptômes de la crise. Et les symptômes de la crise au Congo, il y en a beaucoup. Il y a l'État qui tue, qui assassine, l'État qui refuse d'organiser des élections, il y a les États des pays voisins qui décident ce qu'il faut faire au Congo, qui font participer dans l'occupation donc, du Congo. Il y a les Nations Unies qui sont au Congo. Il y a les compagnies minières qui pillent le Congo. C'est-à-dire que le fait que le Congo se trouve dans une situation complètement dominée, par les différentes institutions des États-Unis, de la Chine, de la Belgique, de la France et des pays voisins, comme l'Ouganda, le Rwanda, etc. Donc tout le monde en profite et que les Congolais maintenant ont tendance à réagir aux conséquences
de cette domination, non pas à la source, à la cause de cette domination. Et ça, c'est absolument essentiel pour nous Congolais de comprendre cela. Parce que le monde est dans une crise profonde. Alors, cette crise-là, les Congolais la subissent d'une façon féroce. C'est-à-dire la pauvreté au Congo est absolument féroce. Et que ceux qui sont au Congo, ceux qui dominent le Congo, tiennent à ce que les choses ne changent pas. Parce que tout le monde en profite, excepté la population congolaise. Donc, ceux qui en profitent ne veulent pas de changement. S'ils vont concéder à un quelconque changement, ils vont sûrement concéder à des changements cosmétiques. Et le piège se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout le monde parle des symptômes, tout le monde parle des conséquences. Alors, les changements qui ne visent que les conséquences, les changements qui ne visent que les symptômes, ceci ne peut pas changer la situation du Congo et des Congolais. C'est impossible. Il faut aller tout droit à la source de la crise au Congo. La crise au Congo, c'est le résultat direct de la domination impérialiste au Congo. Et cette domination s'est faite enfin, de plusieurs façons. Il y a des compagnies minières qui sont au Congo, il y a des armées étrangères qui sont au Congo, il y a des gouvernements vendus donc aux compagnies étrangères, au pouvoir colonial étranger. Ce qui fait que si les Congolais ne parlent que des élections, effectivement, on ne pourra pas aller à la source de nos problèmes. Par exemple, vous savez tous que les dirigeants de l'Église catholique ils tiennent à ce qu'il y ait respect de l'accord du 31 décembre 2016. Alors, cet accord-là, si c'était à respecter, ceci ferait que les dirigeants catholiques n'auraient plus de raison de mobiliser les Congolais. Parce que leur demande, c'est qu'il y ait le respect de cet accord du 31 décembre. Alors que pour que le peuple congolais soit satisfait, pour que le problème du peuple soit résolu, il faut absolument que la domination étrangère du Congo prenne fin. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'il y a ceux qui reconnaissent qu'il y a des problèmes au Congo, mais ils partent du point de vue qu'il faut traiter les symptômes. Alors que ce que nous sommes en train de dire, ce ne sont pas les symptômes qu'il faut traiter. Il faut aller à la source. Il faut poser les problèmes tels qu'ils se présentent. Le Congo est un pays dominé. C'est un pays qui est sous statut colonial. C'est un pays qui est dominé par le pouvoir impérialiste qui utilise plusieurs institutions, plusieurs donc méthodes pour asseoir la domination du Congo. Et c'est comme c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la discussion qu'on va faire sur le combat du Congo. Donc, autour sur la voie, les alliés, les solotés, ils ont plutôt à moi étude, Koyekola, sur comment est-ce qu'on comprendre problème fondamental au sein du Congo. Au lieu de s'occuper, il y a un symptôme, il faut que tu aies source à Makambo, dans le centre. Comme ça, même si tu traites un symptôme, tu as une source à Makambo. Source à Makambo, ça clair dans le Congo, il y a tout, et ça domination étrangère. Tu as une domination impérialiste. C'est-à-dire que le pays est outil Moussika, États-Unis, Belgique, Angleterre, le pays qui sont là, et dans le Congo, ils sous contrôle. Il y a Mabéla au Congo, ils sous contrôle. Il y a indirect, il y a gouvernement, ils sont dans le Congo. Et en plus, parce que tu sais, pays, institution, il va à Monisco, et puis il y a armée, pays voisin, il y a Rwanda, il y a Ouganda, pour faire avancer l'intérêt dans le Congo. Donc, ceux qui gagnent en élection, ils ont retraité tout simplement, il y a symptômes. Démocratie, manque de démocratie, ça a conséquences directes, il y a domination coloniale. Donc, au voter Ningolingi, domination coloniale et aux Alagas. Il faut aussi cette domination étrangère avant tout, comme ça, aux Alagas indépendants. Alors, combattre le Congo, les il y a combattre le Congo, ils en ont sans soin.
Zanaba slide ou Tokola Kisa, suite de Rocha slide à Yaliboso, Nibili, donc Telobare Yaliboso, pendant Eba. Donc cobalt, Eza métal, Eza métal Moko, Eza la propriété à résistance à Makashi, Eza facilité au fondre. Imaginez que ce côté de Boko la moto, il y a cendre et au zigre, alors que cobalt, et pour effondre, il faut beaucoup atteindre la température à 1493 degrés Celsius. Donc, ils ont utilisé dans la production de moteur avion, moteur qui est dans l'espace, dans l'école, partout où la température est appelée à Makashi. Parce qu'on a besoin de produits résistants au cobalt et à la cache. Donc, on est moderne, on a une résistance à la cache, une friction à la cache, comme ça, la machine est bouclée, on n'a pas de maté, cobalt et à la cache. Cobalt peut être utilisé pendant la batterie, on est rechargeable. La pile, on est rechargeable. Il faut cobalt et à la cache. Donc, cobalt est content, mais cobalt est aussi important que. Coltan. Et ça, au produit, où il y a un impérialisme, il y a un produit stratégique. Ce qui est en haut, il va considérer que le pays est un dominant. Donc, ce qui est en cobalt, il va considérer que le pays est un pays absolument dominant. Donc, c'est un produit stratégique. Comme on est ici, il à comprendre, à nous discuter, on en a un coup. Il y a un match, il y a un match, il y a musique, il faut que ça en ait un coup. Chaque jour, pour discuter de l'économie, cobalt, ils ont un des éléments où ils ont créé l'économie, il y a monde. Donc, on a un slide, voilà. Le cobalt est un métal gris dur et lustré avec un point de fusion élevé. Donc, le cobalt est utilisé principalement dans la production des produits chimiques, les super alliages pour les aubes de turbines à gaz et les moteurs d'avions à réaction, l'acier spécial, les carbures, les outils diamantés et les aimants. Donc, on est qu'ils en ont importance vraiment capitale. Donc, en plus, Congo des lois, aux informations, faut tout comprendre. Congo a des lois, vraiment des lois, les plus grands producteurs de cobalt. Après, Congo, donc, on a le Canada, la Chine, la Russie. Ce qu'on sent ici, production Chine, la Russie, le Canada, ils n'ont même pas à moitié la production de Congo. Donc, à quel point, donc, cobalt, ils ont dominé par. Production au Isan à Congo. Yeah. Prochain slide. Bon, au bout mon exemple, les gars, il y a utilisation en cobalt, au moins circuit intégré, il y a un computer, un radio, un TV, tout et tout. Donc, cobalt, il y a un cobalt. Donc, na chaque, au cobalt, si Congo a produit ça, donc, la plus grande quantité de cobalt dans le monde, au cobalt, il y a TV, na radio, na computer, tout. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Donc, ma y a des gens qui ont été en train de se faire. Tout. Comment on fait comprendre? Il y a une implication vraiment profonde. Alors, prochain slide. Ah, ouais, tenez le baguette. Création Yamisala Oissama en Occident. En grande partie, ça dépend de où ils ont produit dans le Congo. Donc, le Congo, ils ont donc les créateurs des emplois pour les pays occidentaux. Donc, la compagnie, et ça, la pile, on a besoin de cobalt. Donc, pour qu'ils créent des emplois au Canada, dans des compagnies qui créent des batteries rechargeables, ils ont besoin du cobalt. S'il n'y a pas de cobalt, donc, il y aura le chômage dans ce pays-là. Pareil pour les États-Unis, pour le Japon, pour la Chine. Donc, c'est-à-dire que les Congo créent des centaines, si pas des millions d'emplois grâce au cobalt que nous produisons. Parce que les Congolais doivent comprendre une chose. Dans les cobalt congolais, où il y a le cobalt, donc la matière, mais il y a aussi le travail du Congolais qui n'est pas payé. Et ce travail-là permet donc au pays, donc, capitaliste,
de créer des emplois pour leur population. Parce que les Congolais n'ont pas été payés. La valeur du travail du Congolais n'a pas été payée à sa juste valeur. Et ça, c'est important. Pareil aussi pour nos minerais. Ce sont eux qui fixent les prix. Vous voyez? Ce qui fait que nous créons des emplois pour les autres. Alors que chez nous, il n'y a pas d'emploi suffisant pour s'occuper tout le monde, quoi. Et que la plupart des créseurs au Congo, c'est des créseurs indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas du tout du soutien du gouvernement. Donc, il y a ça, le prochain slide. Donc, c'est utilisé dans la production de ce qu'on appelle le catalyseur. Et vous savez que les catalyseurs sont importants dans la lutte contre la pollution. Donc, ça permet de contrôler la quantité des éléments, des métaux qui sont dégagés après la combustion, donc dans des voitures, tout ça. Donc, les catalyseurs sont absolument importants. Et ça, c'est grâce au cobalt. Le cobalt joue un rôle absolument fondamental dans la fabrication des catalyseurs. Vous imaginez combien d'emplois sont créés en France, en Angleterre, au Japon, en Chine. Vous imaginez? Alors, le prochain slide. Et là, vous allez voir que dans la coloration, donc la pigmentation donc, des produits, dans le cobalt, ça permet de créer cette couleur bleue, mauve bleue que vous voyez. Donc, c'est-à-dire que l'usage, l'application industrielle du cobalt est vraiment, je ne mets pas de mots, hein, c'est vraiment donc, très avancé, c'est vraiment stratégique, que sans le cobalt, la qualité donc, de la vie industrielle dans le monde va changer. Donc là, je répète, je ne parle pas du coltan, hein, que tout le monde est au courant, tout le monde parle du coltan, mais je parle du cobalt. Donc, il y a ça aussi. Donc, on a vu le Mongo, l'importance à cobalt, les autres créent emploi. Il y a aussi Canadien. Là, tu l'as dit, comme ils ont créé emploi dans le domaine industriel, dans la création de catalyseurs, dans la production de moteurs, donc il y a avions, etc. Et là, même la coloration, donc il y a pas sani, il y a produit aussi à haute qualité, on a déjà consommé un plateau, tout et tout. Compact, les AP essentiels. Alors, dans ce qu'on appelle aussi la fabrication des métaux durs, par exemple, il y a un métaux, métaux inoxydable, super alliage. Dans tous ces métaux, parce que l'industrie, par exemple, la mécanique de l'aviation, mécanique des bateaux, etc. Par exemple, des machines qui font qui créent qui font des tunnels souterrains, donc des vraiment donc en profondeur, comme par exemple des machines qui ont été utilisées pour faire ce qu'on appelle le tunnel sous la Manche, donc le tunnel qui relie la France et l'Angleterre. C'est des grosses machines qui utilisent des machines. Vraiment donc des très grandes machines pour creuser le tunnel. Ces machines-là utilisent les cobalt parce qu'il faut creuser dans les rochers et il faut que les machines soient absolument résistantes pour que les machines ne se brisent pas facilement. Et tout ça, c'est donc le cobalt fait partie de ces machines-là. Donc l'application du cobalt, c'est absolument essentiel dans l'industrie moderne. Et tout ça. Donc le Congo joue un rôle donc stratégique. Donc dans le prochain slide, même dans la médecine, vous allez voir aussi que il y a la fabrication donc des alliages prothétiques qu'on met quand on a un problème comment on appelle ça, des problèmes de hanches et qu'il faut remplacer les os donc au niveau de la hanche, tout ça, ou au niveau du genou. Donc, il faut remplacer donc les os avec des alliages prothétiques. Il faut que ces alliages-là soient suffisamment durs, mais aussi souples. Et le cobalt aussi est utilisé dans ce domaine-là. Donc, juste pour dire que
l'usage donc du cobalt, c'est vraiment large, c'est presque dans tous les domaines. Et là, je donne juste quelques exemples. Hein. Et donc, on va revenir dans d'autres émissions pour vous donner d'autres exemples. Juste pour faire comprendre aux Congolais que l'usage du cobalt, personne ne peut s'en passer. Donc, cobalt, il est tellement stratégique, médecine, ils en ont besoin en haut, industrie à peinture, ils en ont besoin en haut, industrie à vieux, ils en ont besoin en haut, industrie à batterie, ils en ont besoin en haut, industrie électronique, ça va pile, ils en ont besoin en haut, construction, il y a un computer, un laptop, ils en ont besoin en haut. Donc, ils sont tellement large. Alors, tous ces cobalt commencent donc leur journée au Congo. Comme vous voyez avec le jeune au Congo dans le Katanga, des jeunes creuseurs donc, qui vendent les cobalt. Et ces jeunes-là vivent dans la pauvreté absolue. Pendant que le monde entier, pendant que tous ces pays soi-disant industrialisés, les pays donc, dominants, les pays capitalistes, s'enrichissent grâce à notre travail, grâce à notre cobalt, nous nous vivons dans la pauvreté. Ça, c'est inadmissible. C'est vraiment donc inadmissible. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que la création des emplois en Occident commence au Congo. Vous êtes au courant que Kabila, il y a, je crois que c'était hier, il a eu donc un meeting avec le président donc, des compagnies minières, les compagnies minières donc, qui extrait le cobalt du Congo, parce qu'il veut augmenter donc les prix, enfin les taxes hein, que les compagnies minières doivent donc payer. Et bon, il y a beaucoup de bruit sur ça. C'est que ce qui est important pour nous, c'est de dire juste trois ou quatre choses. Un, vous avez vu comment Donald Trump a menacé l'Union européenne qu'il allait augmenter donc, le tarif douanier pour certains produits qui viennent de l'Union européenne, comme pour les voitures, comme pour l'acier. Et il a aussi décidé d'augmenter, par exemple, les tarifs douaniers sur les produits de la Chine. Alors que, au Congo, par exemple, quand Kabila a dit qu'il veut augmenter les prix le montant des taxes que les compagnies minières doivent payer, Kabila ne le fait pas parce qu'il veut développer le Congo. Trump, il le fait parce qu'il dit qu'il veut redynamiser l'industrie américaine. Alors qu'au Congo, il n'y a pas d'industrie vraiment transformatrice, parce que le cobalt que nous produisons a plus de 60%, mais c'est la Chine qui vend la plupart du cobalt raffiné. Donc le Congo vend son cobalt à brut, alors que la Chine, qui est des lois, qui est franchie des lois, qui est à des lois derrière, la production donc du cobalt, si on la compare donc au Congo, mais la Chine est capable de produire la presque totalité du cobalt raffiné dans le monde, alors que la Chine la quantité donc du cobalt que la Chine produit, c'est quelque chose comme 6%, alors que le Congo produit plus de 60% du cobalt dans le monde. Donc ça c'est un. Et deuxièmement, que Kabila décide d'augmenter le prix du cobalt, il ne le fait pas parce qu'il veut résoudre les problèmes du Congo, parce qu'il veut résoudre les problèmes du peuple. Le Congo est actuellement le pays le plus pauvre en Afrique, alors que le Congo possède les minerais les plus stratégiques, pas seulement en Afrique, mais dans le monde, si on prend que le coltan et le cobalt. Donc, juste pour dire que Kabila est en train de prendre des décisions, non pas pour résoudre les problèmes du Congo, non pas pour résoudre les problèmes du peuple congolais, mais il le fait pour faire un rapport à des forces entre lui et les gens qui l'ont mis au pouvoir, parce qu'il cherche à négocier. Alors là, il est en train d'essayer de faire monter les enchères,
Il faut me garder au pouvoir, je veux faire ça. Si vous ne me gardez pas au pouvoir, vous risquez de payer ça et ça et ça. Alors qu'en réalité, pour qu'il y ait le contrôle du Kobat ou du Coltan du Congo, il faut qu'il y ait un mouvement populaire, un mouvement des travailleurs, des paysans. Il faut que tous les Congolais soient éduqués sur les enjeux du cobalt, du coltan, du pétrole, de tous les produits, de tous les minéraux qui se trouvent au Congo. Il faut que les Congolais soient éduqués sur la valeur de sa terre, de ses richesses et de la nécessité de s'organiser et de se battre pour devenir le maître de ce qui se trouve sur son sol et dans son sous-sol. Et ça, ce n'est pas le travail que Kabila va faire. Kabila, lui, dirige l'État qui tue, qui assassine les Congolais. Donc, il le fait non pas pour construire un Congo indépendant. Il est fait pour négocier donc sa place, pour rester donc au pouvoir. Donc il y a une grande différence. Et si on veut passer donc au prochain donc slide. Alors, une chose qui est importante, c'est les Congolais doivent savoir qui contrôle les cobalt du Congo. Parce qu'on ne va pas juste dire nous produisons du cobalt. Nous savons que nous produisons plus de 66%. Et donc, par exemple, là, vous voyez la création des emplois en Occident, commence au Congo. On parle de la flambée des cobalt qui affole les firmes des technologies. Bon, écoutez, les cobalt congolais est exploité par les compagnies étrangères. Ce n'est pas les compagnies congolaises. Les compagnies donc dites contrôlées par l'État congolais qui exploitent le cobalt. Hein? Nous avons donc le Glencore, nous avons le First Quantum du Canada, nous avons les Chinois Molybdenum. Ce sont eux qui contrôlent la production chez nous. Ce sont eux aussi qui fixent le prix chez nous. Et comme le cobalt est un minéraire stratégique, un président comme Kabila, qui est impopulaire, qui n'est pas aimé des Congolais, ne peut pas engager un bras de fer, une lutte avec les impérialistes pour prendre le contrôle du cobalt, parce qu'il n'a pas de base populaire, il n'a pas d'assise populaire. Donc c'est quelque chose qu'il ne va pas faire, parce que s'il était un président populaire, ça laisse se comprendre, mais c'est un président qui n'est pas populaire. Donc selon moi, il fait monter les enchères. Et quand les Occidentaux, ils parlent de la flambée du cobalt, alors, il y a effectivement les prix du cobalt donc a considérablement grimpé, mais surtout parce que il y a les gens qui veulent acheter des actions dans ces compagnies-là. C'est pas que les produits montent parce que les Congolais ordinaires va gagner quelque chose. Non, ça fait au moins 2 ans que les prix continuent à démonter, les prix du cobalt, mais la vie des Congolais n'a pas changé. Il n'y a rien du tout. Absolument rien du tout. Donc la flambée donc du cobalt, c'est juste une affaire pour les bénéfices des spéculateurs, des gens qui vont acheter des actions dans ces compagnies-là. Nous, les Congolais ordinaires, que nous soyons au Katanga, que nous soyons au Kivu, à Kinshasa, ou nous soyons en Europe, nous n'allons absolument rien gagner, rien gagner. Et les Congos continuent d'être le pays, donc, comme j'avais dit, le plus pauvre, avec le plus grand nombre de déplacés internes. Si vous voyez le slide qui est devant vous, le Congo a presque 1 million de déplacés internes, alors que la Syrie en a juste 100 000 à 2 mois. C'est sûr qu'au Congo, c'est plus d'un million. Bon, enfin, les chiffres que j'ai mis, c'est à peu près 1 million. Donc, de loin défend l'Afghanistan, de loin devant le Nigeria, de loin devant le Yémen, de loin devant l'Inde, etc. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Hein? Donc, dans un pays qui possède les cobalt, les coltan, le cuivre, l'or, le diamant, etc., le pétrole, donc le bois, que nous soyons aussi les pays les plus pauvres du monde. Si on peut passer au slide à prochain. Donc, je disais que les Congolais doivent connaître les gens, les puissances qui nous dominent. Et là, donc, vous voyez, c'est juste le prix par metric tonne donc, du cobalt, 60 000 dollars par metric tonne. Ça, c'est un prix absolument élevé. 60 000 dollars par metric tonne. C'est-à-dire que les compagnies qui exploitent les cobalt chez nous,
ils font des milliards. Ils font des milliards de dollars. Et les Congos ne reçoivent même pas 2 milliards. Même pas. C'est une centaine de millions de dollars qui rentrent au Congo. Alors que ces compagnies-là, ils font des milliards. Bien sûr, Kabila et son entourage sont payés. Nous, les Congolais, nous n'avons rien, absolument rien. Nous recevons absolument rien. Et la plupart des Congolais ne savent même pas que nous produisons les cobalt. La plupart des Congolais ne savent même pas la quantité des cobalt que nous avons produit. La plupart des Congolais ne savent même pas où vont les cobalt, où vont les cobalt qui sont produits du Congo, et que fait-on de ces cobalt-là. C'est pour ça que nous insistons, nous devons donc engager des processus d'éducation de l'économie politique pour que les Congolais commencent à penser économiquement, à comprendre qu'est-ce que nous produisons chez nous, quelle est la valeur de ce que nous produisons chez nous, qui contrôle ce que nous produisons chez nous, etc., etc. C'est absolument important. Tout est bas, si on nous veut produire, valeur en haut, et que nous avons puis écrire à Missala Nengi, nous avons payé mon sous-sous, nous avons profité en haut, quelles sont ces grandes compagnies-là. Donc là, je vais vous donner juste quelques noms, si tu as prononcé. Il y a Glencore. Glencore, apparemment, c'est une compagnie suisse, mais ils ont aussi leur bureau ici, en Angleterre. Et Glencore donc fait des profits énormes au Congo. Là, vous avez vu juste cette image sur la pauvreté au Congo, que le Congolais était l'Africain le plus pauvre. Donc, on a une autre compagnie, First Quantum, c'est une compagnie du Canada. Nous avons aussi une compagnie chinoise, Molybdenum. Ces trois compagnies, il y en a d'autres, hein, mais ces trois compagnies sont sûrement les plus grandes qui dominent la production du cobalt. Et le Congo ne gagne absolument rien. Bien sûr, l'équipe des Kabila, l'entourage des Kabila sont payés, c'est pour ça qu'ils sont au pouvoir, pour faciliter le pillage du Congo et on le paye. Alors, pourquoi je parle du cobalt aujourd'hui? Parce que nous devons aller au-delà des symptômes. Je ne veux toujours pas se concentrer exactement sur ce qui se passe maintenant. Il faut tout y bagarre, tout ça, ni lobby 5, 10 ans. Il faut une politique qui va dans le long terme. Par exemple, les Congolais doivent absolument initier une campagne de demande de réparation. Parce que les compagnies qui exploitent les Congos participent au crime contre l'humanité au Congo. L'exploitation des minéraux au Congo, c'est un crime contre l'humanité au Congo. Non seulement ils utilisent les enfants, des mineurs, hein, il y a des milliers, des milliers, des milliers d'enfants congolais qui travaillent dans les mines. Il y a des travailleurs qui vont creuser sous terre pour trouver les cobalt, qui n'ont même pas d'équipement. Il y a des éboulements au Congo tout le temps, des éboulements, donc il y a genre un tremblement de terre. Boum, et puis creuseur. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école au Congo. Vous voyez? Et que, pour plus été. Donc, c'est-à-dire que les gens vivent avec moins d'un dollar, alors que va produire les minéraux les plus stratégiques. Et ça, crime contre l'humanité. Le gouvernement de Joseph Kabila, c'est un gouvernement des crimes contre l'humanité. Tous les gouvernements, et bien, pays voisins, qui participent au pillage du Congo, qui participent à l'affaiblissement du Congo, qui participent à la barbarisation du Congo, ils sont tous responsables des crimes contre l'humanité au Congo. Les compagnies que j'ai citées et d'autres là sont aussi responsables des crimes contre l'humanité au Congo. Et ça, absolument important. Que tu parler qu'à l'élection. Il faut tenir plus loin. Nous devons voir notre stratégie, notre politique à nous. Nous devons prendre l'initiative. On ne peut pas continuer à être sur la défensive. Tout réagir, ça. Car, de réagir. De réagir. Nous devons prendre nos initiatives. C'est-à-dire qu'il faut tout penser le long terme. Le long terme, c'est qu'il nous faut un tribunal international pour les Congos. Et dans un tribunal, tout comme ma Glencore, tout ma famille à Kabila, tout comme ma famille à Kagame, Museveni, ma Mende. Mais toutes les compagnies qui les ont financées. Bah, c'est bien. Dans le prochain programme, tu as la liste est bien. Régulièrement, on va le faire.
Mais justice dans le Congo, libération dans le Congo, démocratie dans le Congo, développement dans le Congo, commence par la création d'un État populaire. Et création d'un État, on a ici un abysso, tout c'est une réparation au peuple congolais. Et réparation, on a fait ça payer par ces compagnies-là, et aussi par le gouvernement de ces pays-là, et par la population tout entière de ces pays-là, parce que toute cette population-là se développe, vive à l'aise, grâce au génocide, grâce au crime contre l'humanité au Congo. Vous voyez? Et ce sont ces gouvernements, ce sont ces populations-là, comme j'ai dit au début, qui sont en train de voter, de mettre au pouvoir les populistes, parce qu'ils partent du point de vue que le gouvernement traditionnel ne font pas assez pour résoudre les problèmes des Européens, des Occidentaux. Donc ils mettent Trump, ils veulent mettre Parti Alternatif, ils veulent mettre à, je ne sais pas comment il s'appelle l'autre là, à Marine Le Pen, à, ou à le mouvement 5 étoiles en Italie, etc. Je ne dis pas qu'il y a des différences fondamentales entre ces différents partis, il n'y en a pas. Ce sont tous des nationalistes européens. Macron, c'est un nationaliste européen. Marine Le Pen et son papa, ce sont des nationalistes européens. En Angleterre, c'est pareil. Hein? Theresa May, nationaliste européen. Jeremy Corbyn, nationaliste européen. Ils sont tous des nationalistes européens, mais ils ont des différentes tendances. Il y a des différents courants. Il ne faut pas que les Congolais, les Africains se perdent là-dedans. Vous voyez, on va revenir sur ça dans notre programme. Donc, on voulait juste parler du COBAT, de la nécessité de discuter telle économie. Économie des Mani Macamignon, il faut discuter économie. C'est absolument fondamental. Politique, c'est une concentration économique. C'est absolument important. Le combinaison du programme Naviso. Donc, nous tenons à remercier donc à Congo Synthèse et toute l'équipe qui a fait le nécessaire pour que ce programme soit diffusé. Donc, c'est un grand merci, Mini. Et nous allons nous retrouver sûrement le vendredi prochain pour continuer donc notre programme de conscientisation d'éducation sur l'économie politique du Congo. Tout ça, Nibino, donc, merci, Mingi. Vous un livre de l'Isaouer. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.